Quentin Hubru. Tous les vendredis, de 21h à 23h, sur VL. Scritch, on parle de toi, c'est sur l'album aussi. Le ouais. Son il s'appelle Soulé. Bah écoute, en feat avec Distinct, moi je voulais savoir c'est quoi l'histoire aussi de ce morceau. Comment ça s'est réellement passé? Bon, on va laisser Scritch répondre à cette question. Bah t'as vu, moi et les scans, on s'appelle souvent, tout ça. Histoire de balle, hein, frérot, c'est un frérot, Scritch. Histoire de choquer. Ouais. J'étais obligé de l'inviter dans l'album. Ouais, j'ai un son là, ça peut être bien là. T'aimes bien Distinct, tu connais ça, mec, qui sent ring, ring, ring. Et toi, tu connaissais? Ouais, je connaissais. Parce que c'est... Quand même, il est suivi aux Pays-Bas. Ouais. C'est un Hollandais. C'est un Hollandais, ouais. Il est suivi un peu dans le développement. Il est un peu comme moi, mais là-bas, tu vois. Ouais. Il monte petit à petit. Et genre, ouais, moi, j'ai kiffé le délire et tout. On est venu. Ouais, il avait déjà fait un feat avec un Français, anglais, hein. Non, moi, j'ai fait avant, je crois. Non, mais lui, Distinct, il avait déjà fait un. Il avait déjà fait un non, nous, quand on a enregistré le morceau, ah, okay. Pas encore le parce que toi, en fait, t'as fait l'album en 8 mois, si je me trompe pas. Ouais. Du coup, c'était au début. Bah, dis-toi, le Distinct Screed, c'était l'un des premiers morceaux. Ah, ok, ouais, c'est pour ça. Donc, vous l'avez enregistré avant. C'est-à-dire qu'on l'a fait, tac. Direct, moi, c'est le poteau, je suis venu, bam, on a fait le son, ça s'est bien passé, tac. Voilà. Et comment tu qualifierais cette connexion entre vous, du coup, sur ce morceau? Parce que c'est vrai, moi, j'étais super étonné, c'est ce que je te disais. Bah, moi, je crois que j'aime bien avec Leska, c'est que c'est pas un DJ qui va te. Qui va prendre une prod, par exemple, de quelqu'un d'autre et qui va te la passer, il va dire, viens, pose. Ouais. Tu vas vraiment t'amener. Il va vraiment faire un travail de DJ dans le sens, il va voir en toi un truc qui va te ramener dans un délire. Il y a une ligne musicale aussi. C'est un genre de directeur artistique. Ouais, vrai, il y a pas encore de Leska, t'es un caméléon en fait. Avant de faire le son avec Screech, bah, je me suis posé chez moi comme ça, je lui ai dit mais qu'est-ce que je peux faire avec Screech, tu vois. Et je voulais pas faire un truc love, comme j'ai l'habitude de le faire, tu vois. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un son club, et à ce moment-là j'avais... Comme ça c'est vous deux qui avez les balles, tu vois, j'avais etc. Il y a plus de balles. Distinct, je savais pas avec qui le mettre, et Screech, je savais pas avec qui le mettre, donc je me suis dit mais pourquoi pas les mettre ensemble, tu vois. Et puis ça aurait peut-être fait un peu tâche dans ton projet de pas faire, justement tu dis que c'est un projet qui est vraiment fait pour les clubs, donc si t'avais un petit son qui... Enfin ça aurait été dommage de... Parce que après le public il peut y voir une incompréhension, ou vu que tu vas faire quand même tourner les morceaux, c'est le but. Ouais. Donc si ça avait été trop love, tu... Enfin ils auraient peut-être... Mais en fait ça aurait été facile. Surtout parce que tu vois, Screech, quand t'entends Screech, tu dis love. Donc, moi, je voulais un peu choquer les gens, tu vois. Je voulais un peu choquer les gens, tu vois. Quand le son il est sorti aujourd'hui, vu que l'album il est sorti aujourd'hui, bah, les gens, quand ils vont l'écouter, ils vont pas s'attendre à ça et ça va créer un peu. C'est vrai, c'est ce que Screech, je te disais, en fait, il kick, tu vois. Ouais, mais il kick vraiment. C'est de sortir de sa zone de confort, en fait. C'est ça qui est important. Voilà. Moi, je trouve ça bien, franchement, là. Ça m'a fait du bien dans le sens où je peux m'exprimer. Ouais. C'est un gros kicker. Vu que moi, dans mon programme, moi, j'ai une mine très particulière. C'est-à-dire que ça m'a fait du bien ce morceau. Ouais, les gens ils croient qu'il est fragile. Samir, est-ce que tu peux les ressortir, s'il te plaît, Samir? Alors là, Samir, quoi. Il y a pas de réseau ici, là. On se bagaille. T'inquiète, il y a la Wi-Fi. Mais donc, ouais, Screech, d'ailleurs, t'as sorti ton nouveau single qui s'appelle La Lune. Déjà 300 000 aussi vues sur YouTube. Comment c'est quoi l'histoire de ce morceau? On parle un petit peu toi aussi. Après, ouais, t'as fait des gros succès, hein, les Samira, Karma, Dégagé. En fait, c'est un son où je parle d'une meuf comme d'hab, tu connais l'histoire. Est-ce que t'as un grand lover, Screech? Pas du tout. Parce que d'après Samir, je crois pas. Hein. Non, moi, je suis pas du tout. C'est un lover ou pas, Screech? Je suis un escroc pour les filles. Plus. non, en vrai, moi, t'as dit, pour l'instant, je fais ça, c'est mon humeur du moment. Et... Ouais, t'es dans un truc plutôt. Un mood love, voilà. Plutôt posé. Et là, c'est bientôt fini le mood love, donc. Ça il va s'énerver, là. Il va ressortir. Un mode hardcore. Non, pas hardcore, mais on va un peu s'énerver. Donc, je change. Il y a des projets qui arrivent, du coup? J'ai mon album là, septembre. Là. Septembre, ouais, si tu le veux. Ouais. Et là, il a du bon monde. Hein. J'ai écouté des sons très très lourds. Est-ce que t'as une petite exclu pour nous sur un petit feat? Petit feat? Ah, j'ai pas encore. Tu peux pas. Mais du coup, est-ce que vu que DJ SK est là, est-ce que tu lui as fait une prod pour son prochain album? Bah non, il m'a pas demandé. Après, j'ai tellement dans mon album. Bah surtout pas envoyé. Arrête, frérot, tu m'as jamais demandé. Bah, oh là, je viens de casser la bromance. Désolé. Non, c'est pas fini. De toute façon, je suis pas à la fin encore. Donc, ouais, d'accord. J'ai trouvé la vidéo. T'as de la place. Samir, est-ce que tu vas nous la ressortir ou pas la vidéo? Mais c'est pas du rap, ça, c'est un truc qu'on rigolait. Ok, donc, je vois bien que c'est une soirée. Alors, Screech, ça devait être en fin de soirée à 4h30. Là, je sens le dernier. Ouais, il avait une tête. Comment il avait une coupe? J'ai une photo de Samir aussi. Ouais, ça va sortir. Qu'est-ce que tu nous fais? À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.